Tu ferais pas du bruit? Nous sommes dimanche. Je me dépêche parce qu'en fait, il est quelle heure là, bébé? Il doit être 10h30, on a rendez-vous à 11h. Pour un brunch, c'est ce que je préfère au monde. J'en fais jamais. Mais à chaque fois que je vois ça, le côté, tu manges ce que tu veux, il y a plein de trucs différents. Je voulais vous montrer, regardez, ça fait partie. Mon bébé, je vlog là. Les gens, je crois qu'ils apprécient une petite illustration musicale. Tu as de la chance que ce soit interdit d'être à poil sur YouTube. Allez, je ne suis pas nu. Bon, je alors. Je ne pas, bon. Quelque chose de le monde. Non, vas-y, ouais. Et tac tac, ben à vous. C'est bien. Hier, on a fait le plein de t-shirts. Parce que moi, je mets beaucoup de t-shirts. Et notamment celui-là, j'adore. Quoi déjà? Ah oui, je fais ce que je veux. Je vous montre rapidement parce que je vous dis, faut qu'on parte. Tout ce qu'on a trouvé. Quand tu vas chez Kiabi, tu mets une heure, faut le savoir, pour enlever toutes les étiquettes, les antivols, couper les trucs. Et donc, c'est un peu enfoui, mais Eric aussi, lui, met beaucoup de t-shirts, donc on a fait le plein. Donc, il y a celui que j'ai. Voilà, je vais vous mettre ici. Donc, ça, pour moi, pareil, forcément pas avec la veste rouge. Ça, celui-là, je crois qu'il coûtait 4. Celui-ci, me plaît beaucoup, 13 années 70, Stand Up For Love. Avec le petit liseré, le col comme ça. J'ai essayé avec cette veste, mais ça faisait un peu trop. Ça, c'est pour Eric. Bon, là, les siens, ils sont un peu plus chers. Ils sont à 11 ou 12 euros. Celui-ci, pas mal celui-là. Le bleu marine comme ça, j'aime beaucoup. Ça, petit débardeur fine bretelle, très pratique. Le plein de culottes, je ne vous montre pas. Un autre soutien-gorge comme ça, très joli. Pour Eric, hein, il s'est choisi ça. Portland, ça aussi c'est pour lui. Cette veste magnifique bleu marine pour moi. Très centrée, donc taille XS, j'avais peur, je l'ai essayé. Elle est canon, mais vraiment très belle. Je vous la montrerai portée quand j'aurai plus de temps. Et je crois qu'on est bon. Par contre, je vais me mettre un petit coup, je vais m'attacher, je crois, les cheveux. Et je vous reprends après. Quelle heure est-il? Franchement, on a rendez-vous à 11h et 11h10, c'est formidable. Merci Eric. Je vous ai pas dit, mais c'est l'anniversaire du fils d'Eric. On va chez la fille d'Eric. Un petit cadeau. Il y a un machin pour voir si on filme de travers ou quoi? Ah. C'est trop dingue. Allez. Ah ouais, génial. On prend ma voiture ou la tienne? La tienne. Je ne sais pas par quoi commencer à regarder ce brunch. Un bonnet. On a de tout. T'as tout mis là? Poignée sucrée, salée. Donc voilà, on a du petit burger. C'est pas con comme idée, tiens. C'est impressionnant. On a même goûté. C'est magnifique. J'aime bien. Allez, on va poser la caméra quand même, profiter du moment. 3h30, on a fini de manger. C'était super bon. On va passer à la petite. Non, un petit thé, petite infusion. Il fait beau en plus, c'est cool. Repu la fille, repu. Ça, c'est un dimanche bien sympathique. Il est en train de manger le chef dehors. On est sorti, il fait tellement beau. Faire une petite balade pour digérer, regardez, derrière. Déjà le bruit, bon là, ça fait un peu de. C'est magnifique le cadre. Magnifique, on est à Mauléan. C'est le château d'ailleurs de Mauléan. Petit ciel bleu, hyper agréable. Ça sent le printemps. Bon bah écoutez, voilà. Oh là là. C'est nous, on vient de prendre la personne sous nous. La quoi? Le char a mis sous nous et on essaye de l'évacuer. Et ma perche, super. Non mais là, elle est effrayée la petite. Hein. On parle de. Nous revoilà avec l'équipe de sauvetage. Attention, attention bébé. Nous avons Diane. Qu'est-ce qu'il y a? Clément. Lucas tire un peu moins. Elle est là, elle est là. Elle est où là? C'est long. Super, vas-y Clément. Vas-y Clément. Ok Clément, tu l'as. C'est pas vrai. Oui. Il faut la sortir la peau. Bravo. Ouais. Super, bravo. Du coup, le chat. C'est un coup, est-ce que le chat nous la ramène? On se retrouve, nous sommes le lendemain, j'enfile ma petite veste. Je vous ai laissé, bah oui, avec le sauvetage de la petite souris ou musaraigne que le chat avait ramené. On a passé une super journée, on est rentré, il était 9h-10. On est arrivé, on a brunché donc à 11h20 et jusqu'à 21h. Ça fait vraiment du bien. Ce matin, donc lundi, j'ai un rendez-vous sur Orléans, là je pars. Je dois rencontrer un futur, peut-être, partenaire, collaborateur pour la boxe. Et après, je traîne pas trop parce que j'ai une réunion en rentrant en début d'après-midi, donc ça va être short, mais bon, ça devrait le faire. Voilà un petit peu le programme de ma journée. Et toi, t'as des rendez-vous aujourd'hui? Oui, tu dois rencontrer qui? Oh, les beaux! T'es beau garçon, toi, hein? Oui. T'es tout doux. Bon, j'y vais, mon chat. Oui, maman s'en va.
Waouh, mais qu'est-ce qu'il fait froid, je viens de monter dans ma voiture. Le temps de traverser, 3 degrés, c'est le froid qui vient te transpercer, qui pique. Je sais pas si c'est comme ça dans toute la France, mais le ciel est quand même beau. Regardez, vu comme ça, tu croirais pas, mais c'est le truc qui te saisit. Je suis arrivée, quoique, non, le panneau est juste là. Rendez-vous terminé, je vais chez Feuillette, comme prévu, ça s'est très bien passé. J'avais jamais vu qu'il y avait une terrasse. Allez là, c'est l'air chouette. Oh putain, j'ai eu peur. Bon, tu permets. Bon bah je suis rentrée. Je vous montre, je me dépêche parce que Eric il reprend les cours. Tu reprends les cours à quelle heure? 15h. Ah bah ça va. Je vous montre quand même ce que j'ai pris. Tu sais ce que c'est? C'est le genre de truc que maman elle adore et je me suis dit tu vas peut-être passer lui donner ça. Et j'avais fait un petit opéra, ça c'est pour Yves. Donc pour moi ou pour toi ce midi, mais bon je pensais plus pour moi. T'aimes bien ça? Moi j'adore. Et ça ce soir, regarde, fais-toi plaisir. Des pommes de terre nouvelles avec... Oh génial. Des petits poulets. Ce que je préfère moi de poulet. Nous sommes le lendemain, j'ai pas pu enchaîner hier parce que... Bah, comme je vous avais dit, j'avais pas mal de rendez-vous. Ma maman est passée après, je lui ai donné les petits gâteaux que j'avais trouvés à Feuillette, on a papoté. Et la journée est passée, ce qui fait que nous sommes mardi. Il est 10h, j'ai le manteau parce que je pars, j'ai rendez-vous à 10h30 pour une pause de gel parce que j'ai un tournage qui nécessite d'avoir les ongles clean et moi quand je mets du vernis au bout d'une journée, ça s'en va, ça fait tout sauf clean. Donc au moins c'est clair, je vais faire un truc très nude je pense, enfin faut pas que ce soit un truc flashy. Et voilà l'idée, les travaux sont de retour, c'est top, je suis ravie, c'est génial. Allez go! J'ai speedé parce que j'étais faire des cours juste avant. Il est 30. Je suis dans le petit local pour faire raison qu'il faut que je choisisse les couleurs. Bon, je sors tout juste. Je vais vous montrer. J'ai des petites choses. J'aime trop le résultat. Hein. Par contre, j'hésitais parce que je savais pas si je voulais naturel ou un truc un peu plus sophistiqué. J'ai pas trop pris. J'ai pris un entre-deux. Et ah, j'ai eu un petit cadeau trop chouette. Par contre, ce matin, on est quand même sur un moins 1 degré. Hier, à 3 degrés, je me caillais. Bah, ce qui est étonnant, parce que ça affiche moins 1, mais j'ai l'impression qu'il fait plus doux. Bon, de retour, je vous montre. Ça me fatigue. Le bruit des travaux. Alors, c'est un rose. Un rose qui fait tout propre. J'adore, c'est un rose très tendre. Hein, j'adore. Très propre sur soi. Nickel. Je vous montre. Est-ce que vous avez entendu parler de ce tout nouveau sérum? De folie. Et moi je l'ai testé sur 3 jours, il m'avait donné 3 échantillons. Il est ouf, c'est le meilleur que j'ai pu tester. J'adore le Advanced Night Repair, mais celui-ci, il est dingue, c'est-à-dire que tu vois vraiment bah, sur ta peau, il se passe des trucs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand même un sérum qui coûte très très cher. C'est-à-dire que alors sur Sephora, je sais qu'il est à 130 ou 136 euros. Ça va durer quand même, tu le mets matin et soir, mais ça va durer un moment. Et là où j'étais, il était à 120 euros. Elle me dit, vous avez, dernier délai, jusqu'à aujourd'hui, 20%. C'est-à-dire que ça me faisait 30 euros en moins. Donc on passait la barre des... On était à 80 et quelques euros pour un sérum qui coûte normalement 136 euros et qui est canon. Donc je l'ai pris. Il s'agit du triple sérum de chez Lancôme. Je crois qu'il ne veut pas focus. Qui est comme ceci. Alors attendez. Voilà. Il est très grand. Et en fait, à l'intérieur, donc pourquoi triple sérum? Déjà, on voit qu'il y a 3 petites sorties. Il y a 3 flacons avec 3 ingrédients différents qui ne peuvent pas être, on va dire, pas stockés, mais être ensemble. Par contre, ils fusionnent ensemble. Tu fais la petite pompe, les 3, tu viens les chauffer, les mélanger, et c'est là que la magie opère, on va dire. Donc c'est vraiment top. Et je vous le dis, hein, parce que vu le prix, j'ai dit, ok, je vais tester donc les échantillons que vous m'avez donnés sur 3 jours, et en fonction, je verrai. Je suis trop contente. Je vous ferai un retour parce qu'apparemment, au bout de 15 jours, déjà, tu vois quelque chose et au bout d'un mois, c'est du délire. Et elle m'a dit, tu aimes bien quoi comme parfum? Alors, je lui dis, bah moi, c'est le Valentino. Et elle me dit, bah tiens, je t'offre le parfum de chez Valentino en format sac à main. Mais c'est trop cool. Je suis très, très, très contente. C'est celui que j'ai eu pour Noël. Donc ça, c'est déjà, j'avais le parfum plus ça. Oh, cool, parce que ça part vite quand même. Je l'aime beaucoup. Voilà pour ce qui est de cette matinée. J'ai été faire des courses, mais alors vraiment des courses d'appoint. Je devais aller chez... C'est net ou pas? J'ai un doute. Je devais aller acheter les croquettes. Donc j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouvelles croquettes chez Leclerc. Ils ont l'air pas mal. Donc je fais en sorte que ce soit des croquettes clean. Oui, j'ai entendu.
C'est les Beyond de chez Purina, qui ont l'air vraiment chouettes. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas. J'ai repris mon blanc de dinde. Ça pour le matin, je n'en avais plus. Mon fromage blanc, ça c'est, je prends ça à fond. Mes pruneaux pour aller avec et mes petites noisettes. Ainsi que deuxième paquet. Voilà, bah écoutez, je pense que ça va être tout pour ce vlog sur 3 jours, je crois. Et 11h54, je vais ranger ça. Après, j'attends Eric, on va manger parce qu'il avait cours, je crois, jusqu'à midi. Et cet après-midi, montage, petit rendez-vous avec des marques. Et on se donne rendez-vous très vite pour la suite des aventures. Bisous, ciao!